statut du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement en ce jour béni du 7 août 1960 l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Noble Côte d'Ivoire, ô grand pays de bonnes gens, nous apportons dans la victoire l'hommage de nos cœurs ardents. Dans l'amitié des peuples frères, ô Dieu, guide-nous vers l'idéal. Soumise à la devise chère, union, discipline, travail. Pour ta grandeur, le Seigneur des patries, nous marcherons de l'avant, des amours et pleins de foi, de cœur uni autour de notre vie. Nous marcherons dans l'honneur pour le juste droit. Nous t'allumer au cours de notre vie, à tes appels nous serons tous présents. À tous nos compagnons de route, à l'aube de ce jour donné, pour que ne règne plus le doute, mais la voilà. Drapeau nous unisse, que ton amour nous fortifie, car pour toi seul nous voulons vivre, et pour toi combattre et mourir. Et vous, fiers et nobles jeunesse, de tous les horizons connus, suivez toujours cette sagesse de nos aînés qui ne sont plus. Pour la grandeur du Seigneur des patries,
Venir lumineux, redonne toujours l'assurance de nous conduire en peuple heureux. Et nous irons de par le monde semer ton nom et tes bienfaits. Sur toutes les ondes, que sur ton sol, Côte d'Ivoire, règne la paix. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, plus nous avons dans la paix, revenez la liberté, notre devoir grand d'être un modèle de l'espérance promise. Lorsque nous entendons les paroles, Mariem, de l'hymne national, tous les couplets ont été chantés, c'est un message fort. C'est un message fort et surtout je pense que beaucoup de personnes, très jeunes également, ne savaient pas que l'hymne était aussi complet. Ah, c'est un hymne aux paroles prémonitoires. Exactement. Et c'est ça qui est important, de savoir que dès le début, on a pensé à tout ça et que les Ivoiriens n'avaient qu'à écouter leur hymne pour éviter tout ce qui nous était arrivé. Moi, aujourd'hui, quand j'écoute cet hymne, j'ai envie de dire aux Ivoiriens, Yako à tous, et puis ressaisissons-nous. Je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les Ivoiriens. Dans la paix, dans la concorde, la réconciliation, la fraternité. Écoutons notre hymne tous les matins. Je propose au directeur général de Fraternité Matin, encore une fois, de rééditer tous les couplets. Et si j'avais été invité avant, longtemps avant, pour cette émission, je lui aurais fait cette proposition afin que, en cette journée extraordinaire, chacun médite en lisant les paroles de la vie éternelle. Il y a notre devise que les gens ne suivent pas. Union, discipline, travail. Où est l'union dans ce pays? Où est la discipline dans ce pays? Et où est le travail? Chacun s'amusait hier, avant-hier, je crois, à dire: lundi sera férié, il faut que ce soit férié. Il faut qu'on travaille et qu'on oublie. On oublie les fériés. Il faut qu'on soit discipliné. Lorsqu'il y a un feu rouge ou un embouteillage, ne prenons pas les voies d'à côté. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on parle d'une seule voix, la voix de la paix. Écoutez l'hymne national, lisez les paroles et vous serez, je pense, oui, mais justement, ce que je voulais dire, c'est vrai ce que tu dis, mais moi je pense qu'il faut faire les choses dans les normes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut obliger les gens dès l'école à apprendre. Nous, on a pris les 13 couplets de la Marseillaise par cœur. Les 13 couplets de la Marseillaise. Alors, est-ce qu'il faut la violence? Est-ce qu'il faut... Non, attends, je sais pas. À l'heure où je vous parle, je suis capable encore aujourd'hui de chanter les deux premiers couplets. Alors que je crois que beaucoup de petits Français ne sont pas capables de chanter le premier couplet. Non, ils ne sont pas capables. Mais je pense que pour nous, c'est encore nécessaire. Il y a un ministère des services civiques, la promotion de la jeunesse des services civiques. Il faut que depuis l'école, on apprenne
l'hymne national au complet. Au moins là-dedans, chacun trouve. Absolument. Dans chaque matière, couplet, chacun trouve. Matière, effectivement. Et je crois qu'il y a des moments où on dit trop de liberté aussi. Ouais, tu la liberté. Tu la liberté. Mais dites-moi, dans quel contexte a été créé ce hymne national? Les paroles. Quelques temps avant l'indépendance, les autorités ont demandé à des musiciens, à des écrivains. Il y a un concours qui a été lancé. Un concours qui a été lancé. Pas un concours pour faire un classement, dire celui-ci est premier, il gagne un million, etc. Concourir, c'est-à-dire travailler ensemble. Vous faites votre travail, faites votre travail, et puis on prend chez vous ce qui est bien, etc. etc. Il se trouve que tout ceci a été réuni en une seule œuvre. L'œuvre de deux hommes d'église, n'est-ce pas, qui l'abbé Pango, et puis l'évêque, l'évêque émérite, Monseigneur Coty, c'est eux qui ont fait, et puis M. Kamaté a changé quelques paroles, mais fondamentalement, exactement, ce sont ces deux hommes de Dieu qui ont créé l'hymne national, parce que vous savez que dans les séminaires, on joue des instruments de musique, on apprend la musique, etc. Et puis les autorités politiques ont, n'est-ce pas, choisi parmi toutes les propositions celle-ci. Celle-ci, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et vous, quand vous avez, pour la première fois, on vous a dit, la Marseillaise, avec l'indépendance bien sûr, la Marseillaise partait, il fallait donc apprendre cette hymne-là. Dans quelles conditions, vous avez déjà eu affaire la première fois à la Bidjanaise? Moi, je me rappelle, c'est l'abbé Pango qui passait dans les écoles pour nous apprendre la Bidjanaise. Parce que pour la fête de l'indépendance, il fallait chanter. Donc, on nous a appris dans les écoles, tous les soirs, après les cours, la nuit, on allait faire les répétitions pour apprendre. Mais on n'a pas pris beaucoup de couplets. On a pris juste le premier couplet à tout le monde. Surtout, il y a une partie là où c'était très difficile. À quel moment? Non, tu sais, moi, ce qui me gêne dans la Bidjanaise, c'est quand les gens disent rassemblés pour ta gloire. Ils ne sont pas rassemblés et pour ta gloire. Ils sont rassemblés pour ta gloire. On répète le blé. Ils sont rassemblés pour ta gloire. Mais ils ne sont pas rassemblés et pour ta gloire. Voilà, rassemblés pour ta gloire. Ils ont bouffé le Non, nous, on a appris, en même temps qu'on apprenait à défiler, à faire les mouvements, on apprenait la Bidjanaise, et on l'apprenait avec plaisir. Avec plaisir. Et on sent ce plaisir là sur avec plaisir, on apprenait ça. Moi, je vous dis, c'est des grandes images, c'est des grands moments. Alors, Marielle, le prochain événement, en parlant de grands moments également, c'est la télévision, l'inauguration de la télévision. Exactement, en 1963. En 1963. Mais juste avant, je pense que c'est l'occasion de présenter le groupe qui nous accompagne, donc Tempo. Et on va leur demander de nous interpréter le temps pour la paix. Ma chère Côte d'Ivoire, le fameux sixième sillon. Et je pense que Georges Benson a beaucoup de choses à nous dire. Oui, c'est un concours. C'est un concours de chant patriotique qui avait été lancé pour trouver des chants. Par la télévision. Par la télévision. Nous avons conçu cela et on l'a appelé le concours du sixième sillon. Pourquoi sixième et pourquoi sillon? Sixième parce que c'était en 1966, sixième année de l'indépendance. Et sillon parce que c'était un concours de chant dont les œuvres lauréates allaient être gravées sur micro-sillon, sur les disques de l'époque, 45 tours, et c'est le sixième sillon du 45 tours, c'est tout. Alors, si vous permettez, on va écouter? Oui, ma chère Côte d'Ivoire. Moi, je t'aime tant, cher Côte d'Ivoire, pays où sa vie filante.
tes débuts trop difficiles, tu as acquis la dignité. Progressant dans la fermeté, tu relevas tous les défis. Et notre fierté est immense. Le président Houphouët Boigny t'a conduit sur le vrai chemin en grande sagesse. Toi, le j'aime tant, chère Côte d'Ivoire, pays au salut filant de bonheur et de gloire. Toi, que j'aime tant, chère Côte d'Ivoire. Ce pays, je le crierai, nous Ivoiriens devons combattre et œuvrer à la tâche immense, unis en tout et pour toujours. Le temps passé reste l'infini, la Côte d'Ivoire tu as gagné. Sur tout tableau, toute conscience, nous sommes heureux. Toi que j'aime tant, chère Côte d'Ivoire, pays au salut filant de bonheur et de gloire. Toi que j'aime tant, chère Côte d'Ivoire, pour toi le sage et grand Afrique, le 7 août une date historique, tu libéreras ton beau pays, la Côte d'Ivoire, notre patrie. Tu es tellement jalousée, tu es ma chère tendre patrie. Contre toutes les adversités, tu seras fort. Toi que j'aime tant, chère Côte d'Ivoire, pays au salut filant de bonheur et de gloire. Toi que j'aime tant, chère Côte d'Ivoire, sûr et rassurant, tous les textes parlent d'un avenir glorieux pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai que le début du parcours peut ne pas être, n'ont pas été faciles, le parcours également peut être semé d'embûches, mais l'avenir est radieux. Et tous les textes l'annoncent comme une prophétie. Ben oui, vous savez, l'enfant quand il naît, il va gérer, il s'écoute, et puis après, il fait quatre pattes. Voilà. Il essaie de se relever, il s'appuie sur quelqu'un pour se lever, et puis il fait un pas, il tombe, il se blesse, etc. C'est la même chose. Alors, les gens s'offusquent aujourd'hui. Bon, les autres ont connu ça avant nous, hein. Les autres ont connu ça avant nous, nous avons été trop heureux trop tôt. Exactement. Nous avons été trop heureux trop tôt. Alors on a pris des habitudes et on a oublié la nature. On a oublié ça. Mais... c'est souvent ce que le président Foubani disait. C'est un vrai bonheur. On l'a apprécié quand on l'a perdu. Nous y sommes. Nous n'ayons jamais dans la vie. À le perdre. Nous y sommes, mais on a la volonté. Hein. Je pense que les uns et les autres, nous avons la volonté. On arrivera forcément à ce... La Côte d'Ivoire va rebondir, elle va se renforcer, elle va être...
formidable, une force. Moi j'ai confiance en vous, hein. J'ai confiance en vous là. Nous c'est fini, on est plus proche du. On n'est pas vraiment fini. On est plus proche du cercueil que du berceau. Ouais. C'est pas vraiment fini parce qu'il y a encore, il y a ce livre donc qui sortira, ah, mais également oui, aussi oui, avec oui. L'expérience. Bon, il faut bien monter sur vos épaules. Pour pouvoir aller ouais. Plus loin que vous. Ah, vous c'est gentil. Donc, on c'est gentil. Nous servira, c'est clair. On a essayé de faire ce qu'on pouvait depuis le 7 août 1963. Alors, chanson. Allez-y, Marie-Ève. Non, vas-y. Cette chanson, sixième sillon au total, oui. Enregistrée en une seule nuit. Ah, ça a été dur pour ces jeunes gens-là. Ça a été dur de voir des... La chanson a commencé, c'est parti de 66, on l'a dit. Hein. Oui, le sixième sillon. Oui, mais l'enregistrement, là, il date de beaucoup plus tard, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, avec le regretté Kwame Black Show, exactement. Qui était le mérite de ce groupe-là. Nous sommes entrés en studio et ça a été difficile. C'est pas bon, on reprend, c'est pas bon, on... Et pour toutes les autres choses, en fond, comme disait Georges tout à l'heure, dans toutes les écoles, on doit avoir ces chants-là. Ces chants. Et puis ça, cette chanson est forte. Toi que j'aime tant, ma chère Côte d'Ivoire, pays au sol rutilant de bonheur et de gloire. C'est du français. Ah oui, c'est bien écrit. La musique est bonne. La mélodie, etc., c'est extraordinaire. Et ça apprend à aimer son pays. Ça apprend à aimer son pays. Sa terre, oui. Alors, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Nous allons poursuivre avec un élément également qui était important dans vos différentes carrières, c'est-à-dire l'inauguration de la RTI. Oh. Ah oui, et c'était en 1963. Quelle aventure. Vous allez nous raconter tout ça. Ah oui. Ouais.